Gros fondu. Je suis pas en train de vous insulter, hein. Attends, parce que là, du coup, la capture s'est mal faite, évidemment. Tac, voilà. Yes. Donc, normalement, cette fois-ci, le jeu a bien été save. Ouais. Tam, tchikatam, tchikatam, tchikatam. J'adore ce truc. J'adore ce truc. Ok, par contre, ça va être un peu fort, je pense. Je vais réduire un tout petit peu le volume. Voilà, c'est parti pour le show. C'est parti le stade des shows. Voilà, continue la partie na. Absolument. Ah. Yes. Ah là 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 là, mais qu'est-ce que je kiffe ce truc! C'est génialissime! Attends, roule. Qu'est-ce qu'on met comme titre pour le stream? Allez, un truc marrant avec des boules ou des roules pour le stream. Katamari Damashi. Voilà. Impec. Qu'est-ce qu'on met, les gars? Allez, un jeu de mots. Je veux. Roule qui mousse, c'est de la merde. Vas-y, continuez! Moule ma boule! moule ma boule. Roule 34. Ah, c'est pas mal, roule 34, je prends. Roule 34, allez hop, je prends. Impeccable. Alors, roule 34 même, prince du cosmos. Voilà, roule 34, prince du cosmos. Voilà, le stream est changé et on est bon. Oula. Yes, Ridoru. Je vais baisser encore peut-être un petit peu le son. Viteuf, bim. Excusez-moi, je suis un peu autiste au niveau du son. Ça n'a pas trop changé grand-chose, mais voilà. Comme ça, ça devrait être bien. Alors, donc du coup, j'ai refait, comment on appelle ça, l'avancement qu'on avait fait. J'ai pas débloqué beaucoup de trucs parce que du coup, je les ai fait un peu rapidement les niveaux. Tout ce qu'on a là, c'est une petite ceinture de catch. Que je trouve génial. Attends, est-ce que je peux vous la montrer de plus près? Voilà, on a une petite ceinture de catch et je trouve qu'elle est génialissime. Alors, voyons voir. Donc voilà, on avait fait tout ça, j'avais fait tout ça, machin, faire une étoile 6, on était allé jusqu'à faire une étoile 6. On avait fait les poissons, on avait fait le cancer et les cygnes. Et maintenant on a la grande ours, couronne boréenne, je sais pas ce que c'est bien ça que j'ai lu. Faire une étoile 7, faire les gémeaux. Qu'est-ce qu'on fait? La grande ours ou les gémeaux, les mecs? Oh putain, cette soundtrack, quoi. Par contre, elle est toujours un peu forte. Voilà. Grande ours? Allez, grande ours. Allez, c'est parti, les gars, on se détend. Oh, j'ai compris. Pour vous dire la vérité, nous faisons également une constellation. La grande ours, à vrai dire. Un parent qui laisse tout le travail à son enfant, c'est pas bien, hein, bon à rien. Bon, nous en avions enfin fini et puis le dernier s'est enfui. Mince, stupide ours, du long, nous en avons assez. Allez, roulez sur un ours pour nous et roulez également sur le cadeau. Ok, on va rouler des ours. Ok, let's go. Ah putain, rien que de voir ça, ça me fait du bien, quoi. Méchant ours, méchant, ça c'est pas bien ce que tu dis. Dépêchez-vous de rouler, allez. Ah oui, il faut trouver le plus gros ours, je crois. Mais rien toucher d'autre. Je crois que c'est ça un peu le délire. Non? Ou alors faut tous les choper, les ours. Attends, on va voir. Je vais choper un ours, là. Ah bip. Ouais, c'est ça. J'ai jamais trop compris ce principe de truc, là, en fait. Un ours. Je crois qu'il y a un ours, en fait. Doit y avoir un gros ours sur la map. Et il faut le choper, en fait. Je crois que c'est ça. Oh, j'adore cette chanson, mec.
Attends, je vais baisser encore un peu le son, je suis désolé, hein, ça, c'est de l'autisme, on est d'accord, mais... Oh, j'adore, voilà. Nous n'avons pas perdu l'ours aussi petit que ça. Oh, je t'emmerde. Ouais, c'est pas grave, ça suffit au moins. Et c'est vrai que ces missions-là, j'ai jamais trop pigé, faudrait que j'aille voir, je sais pas, que je la recommence, un truc comme ça, parce que... tout impeccable. Oh, la cinématique. Angel. Oh là là. Yes, absolument. Allez, let's go. On ignore tout ce qu'on a vu. Faire les gémeaux, faire la couronne boréale. Eh ben écoute, on va essayer de faire les gémeaux. Hein, c'est le signe de ma mère. Y a des gémeaux ou quoi sur le chat là? Comment est-ce possible? Il manque quelque chose. Ah ah! Oui, c'est ça, nous l'avons maintenant. Il n'y a aucun mystère, le ciel n'a aucun mystère. Il est si facile à comprendre, c'est important bien sûr, mais il est si ennuyeux. Nous allons vous dire ce qui est mystérieux, les jumeaux. Quel est ce lien qui les unit? Télépathie, perception extrasensorielle, c'est dur à dire. Ah, c'est tout, d'accord. Je m'attendais à un gros dialogue, mais apparemment, bah les couilles. Ouais, ils sont vraiment identiques. C'est compliqué, c'est étrange. Maintenant que j'y pense, n'avez-vous pas un jumeau? Vraiment? Alors c'est pas vrai. Bon, c'est dommage, j'ai aucune surprise. Bien, dans tous les cas, rassemblez le plus de jumeaux possible pour que le Katamari soit en recouvert et pour faire une magnifique constellation. Des jumeaux. Genre les deux petites meufs, là? Ça, c'est... Ouais, attends. Donc ça, c'est des jumeaux. Faut trouver des gros jumeaux sans toucher d'autres trucs. Y a des gros pingouins, c'est rigolo. Y a rien de plus chill que ce jeu. Non, ça, c'est clair. Des petits chats. Oh putain, des chats. Faut pas que je chope les chats. Faut trouver vraiment de gros trucs, je crois. Putain, il est cool le petit comment? Swing scat là. Les petites jumelles, non. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus gros là? Oh putain, les deux là. Ouais, c'est ça qu'il faut que je prenne. Attends, on va leur tendre une embuscade à la Far Cry 5, mon gars. Attention! Bip! J'ai loupé. Ah, mais on peut choper ça, finalement? Ah, mais je crois... De quoi on peut choper tout ce qui est pas jumeau, en fait? Ok. On peut choper tout ce qui est pas jumeau. Je crois. Et du coup, grossir, et pouvoir choper les gros lapins, là. Ok. Let's go. Les carottes, je prends. Les petits chevaux, on peut pas pour l'instant. Les trucs pas jumeaux. Ouais, les trucs pas jumeaux, on a le droit de les prendre. Sauf que là, les deux trucs, ils sont en couple. Enfin, ils sont en train de se balader en couple. Et on n'a pas le droit de les prendre, tu vois. Le chien, je peux. Les petites jumelles, là, je peux pas. Ça, je peux. Ça, bah, c'est bizarre parce que ça, c'était des trucs en double. Je sais pas trop... Ah non, c'est peut-être juste... C'est peut-être juste des gens, du coup, en fait. Moi, je me suis dit, c'est tout ce qui est jumeaux, mais... Des bonnes jumelles, en effet. Ah, mais non, ça marche pas, si. Bah non. Ah bah, je comprends pas, alors. Je crois que je comprends juste pas. Écoute, c'est pas grave, c'est Katamari, c'est pas fait pour être compris. C'est fait pour être vécu. Ok. Ça en prend. Dans le doute, prends tout. Ouais, voilà, c'est ce que je vais faire, l'autruche. Dans le doute, je vais tout embarquer. Oula, tout embarqué, ça c'est marrant, j'ai mué d'un coup. Donc même les poules, ça marche pas. Ça marche pas non plus. Oh putain, la grosse vache, si je peux dire, pardon madame. Attends, je veux passer là. Allez, monte gros cul, yes. C'est pas brillant, c'est cool. J'adore. Ah mais non, regarde. Regarde la jauge à gauche. En fait, la jauge à gauche dit juste qu'il faut choper des trucs jumeaux. Donc finalement, ouais, on peut choper tout ce qui est jumeaux, en fait. Donc je pense que si je prends les pingouins, c'est pas fini non plus. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Donc ouais, on peut tout prendre, en fait. C'est moi qui suis con. C'est juste une mission un peu normale. Ouais, hey, oh. Ce sont des triplés. Tu vois pas bien que ça passe pas, enculé. Oh, il y a plein de trucs là-bas. Oh, y'a un sumo.
J'adore le style artistique de Katamari, c'est tellement génial quoi. C'est tellement parfait. Et en plus maintenant que c'est sur PC, ils peuvent se permettre d'afficher encore plus de trucs, tu vois. J'adore. Oh! Pip pip pip. On peut les prendre eux? Non, on peut pas les prendre encore, les judokas là. Je sais pas si c'est des judokas et des karatéka en fait, mais c'est un des deux en tout cas. Enfin, c'est Jap quoi. Ah putain, la tortue, je me suis pris à pleine vitesse. Waouh, la vache, le narval! Narvalo. Narval, ça existe pas, si? Attends, y'a les Men in Black là, si je puis dire. Ils sont renois, mais c'est pas ça qui compte. Mortier, ok, je crois que c'était une bûche, mais non, c'est un mortier. Quel qu'ils soient, ils ont compris le concept du roulement. Ouais, je pense qu'il faudrait mieux leur le confier à eux la tâche en fait, parce que je trouve qu'ils sont plus efficaces que moi. Ok, c'est bon, j'ai encore 7 minutes, c'est à l'aise, c'est à l'aise. Ça va toujours niveau son ou quoi? J'ai l'impression que le jeu il fait un peu ce qu'il veut au niveau du volume. Impeccable, les chats, je prends. J'ai pas réussi à les prendre, merde. Attends, y'a encore un petit chien avec un cône de la honte là. Yes! Putain, tu peux pas terminer en fait un stream sur un truc plus relax que ça, vraiment. Même si ça a l'air un peu, voilà, il y a du temps et tout, ça dérange tellement pas quoi. Surtout que là en plus c'est un objectif flip, c'est à dire que je prends un peu ce que je veux, quand je veux. Et ah, oh la vache, je me suis fait défoncer par une vache. Il y a aussi un truc que j'ai jamais utilisé dans les streams d'avant, c'est la possibilité de se retourner instantanément comme ça. Et hop. J'avoue que je l'ai quasiment jamais fait. Pourtant c'est ultra utile. Attends, je vais choper les gamines. Enfin, attention, hein, appelez pas les flics hein. Ok, ça c'est cool. Putain mec, je suis sur le cul de la chanson en fait. Autant tu vois Wheel of Katamari, donc le deuxième, avait vraiment une bande son sympathique. Autant je trouve que celui-là est vraiment encore mieux quoi. La bande son du premier est encore meilleure. Ce qui est difficile à faire, tu vois, de base. C'est difficile quand même de surpasser la bande-son du premier, hein, mais... Avec leur magie japonaise, tu vois, la même magie qui permet à n'importe quel PC de merde de faire tourner MGS5, et bah ils ont réussi à faire quelque chose, tu vois. Ah, merde! J'arrive pas à le choper avec les putains de tortues, là. Les jeux de cache peu, quoi. Non, je sais pas. Le petit vieux. Je peux, c'est bon. Le petit vieux, je peux. Les gros melons, je peux aussi. Non, ah si, je peux, c'est bon. Ça fait énormément chier, il y a une musique que ça fait une heure que je la cherche. C'est quoi? Alors, raconte-nous, peut-être qu'on peut t'aider. N'oublie pas, you've got a friend in me. You got a friend in me. Bon, lui, il a fait un peu un cri d'agonie quand je l'ai enroulé, mais... J'ai rien comme indice, c'est juste une chanson de type heureuse. Mais non, mais tu l'as bien entendu quelque part avant, non? Ou tu cherches juste une chanson heureuse? Ou est-ce que c'est une chanson de Katamari? Attends. Et que Spider l'adore et qu'il l'utilise. Les États d'Amérique? Attends, je vais prendre... Voilà, les tonneaux là. Spider-Man. Le thème de la pizza de Spider-Man. Attends. Là. Attends, oh non, il s'est barré, l'homme vache. Dommage. Ok, il me reste 4 minutes. Les gros lapins, je peux pas encore les prendre, je pense. Ça là-bas, je peux. C'est ma direction. Non, promis, je chante pas ça. Putain, déjà, on fait 2m93, mon gars. La taille de ma bite. Attends. Nounours, yes. Impeccable. C'est pas Mrs. Robinson? And it's to you, Mrs. Robinson. She just na-na-na, blowjob. Yeah, yeah, yeah. Voilà, j'ai enfin chopé les lapins. Lui, je prends. L'autre, il va se barrer, non? Il se barre? Non, c'est bon. Impeccable. Ou est-ce que c'est Miss Jackson des Outcasts? I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. On la voit souvent partout. Eh ben, je sais pas. Impec. Oh putain, on peut tout prendre là. Oh la vache, oui, on est gigantesque en fait. Là, je peux les choper les tortues quand même. Ouais, c'est bon, c'est bon. Putain, enfin. Putain,
mais il y a toute la ville là. Ah, oh, j'avais pas vu. Mec, ça va être un massacre. It's going to be. Ça va être un carnage. Ah, putain, chape. Allez, allez. Oh, c'est pas grave. Hop, les Oku. Cela ne compte pas pour des jumeaux. Celui qui est devant est le chef. What? De quoi tu parles, les Oku? Même les dialogues, ils s'en battent les couilles. C'est tellement chill que même les dialogues, ils se disent, c'est bon, on n'a pas besoin de dire quelque chose, tu vois. Ok. En fait, à chaque fois, je suis vraiment impressionné par la taille des maps de Katamari, quoi. À chaque fois, tu dis, ok, ça va être un petit truc. Genre les premières maps, quand tu commences et que t'es juste dans une maison ou un truc comme ça, et finalement, la maison s'ouvre et t'as accès à tout le putain de jardin. Enfin, c'est ouf, quoi. C'était quoi? T'as entendu? Mais c'est quoi ce bruit? Pourquoi il fait même? Putain, j'arrive pas à passer, je suis bloqué, c'est bon. Allez, avance, con! Voilà, ah oui, il y a une bagnole, ok. J'ai pas compris. Putain, j'espère que je peux choper les maisons après, non? Attends, non, je veux pas retourner par là, je vais rester dans la ville un peu. Mettre un peu plus en face de mon micro, voilà. Allez, avance! Voilà, oh, oh. Impeccable. Est-ce que je prends les bagnoles déjà, là, non? Non, je peux encore prendre les bagnoles. Ça, station essence, je prends. Mais y a pas de timer là. Si, si, en haut à droite. En haut à droite, y a le timer, il reste 2 minutes. Et en 6, ce sera les secondes. Et là, il reste 1 minute pour le coup. Je vais prendre tous les élèves là. Chutons ma tête. T'as entendu? Le mec, il faisait tout. Chutons ma tête. Hop, ça je prends aussi. Bon, je pense qu'on sera pas assez assez balèze pour pouvoir prendre les maisons et les bagnoles. Tchutomate. Je croyais que c'était une boussole. Mais non. En Katamari, tu vas là où le vent te porte. Tu ne suis pas une boussole. Ce serait trop restrictif. Je vais me faire bouffer. Je vais me faire niquer par la porte. Ok. Je redescends un petit peu ici. Comme les petits Africains. Mais ils sont pas emportés par le vent, les petits Africains. Enfin si, ça dépend, genre les petits Ougandais, pourquoi pas, tu vois. Salut, pseudo. La bagnole, je peux toujours pas... Ah si, ça fait un petit pouet. Ah non, je peux pas. Allez, une seconde, et c'est fini. C'est quand même un mystère. Qui va au-delà de la compréhension? Une chose merveilleuse. Reprenons le mystérieux arc-en-ciel. Ah, je croyais qu'il disait bonjour, bah oui, mais je croyais que c'était barré, qu'il était revenu, moi. Le pseudo, non? 65%, j'ai chopé 65% de la map, donc il en restait énormément, quoi. Eh bien, est-ce mystérieux normal ou quoi? Le véritable mystère est comment vous avez réussi à attraper aussi peu, mais je t'emmerde. Qu'y a-t-il? Pourquoi? Roulez sur plus de mystère. Très bien, lançons-le dans le ciel. En fait, tu peux pas perdre, en fait, à Katamari, enfin, pas trop. Mais tu te fais tout le temps juger de ouf, en fait. Ah. Encore? Cosmo Ganjiru wa. Oh là 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 là. je veux pas savoir ce qui est passé par dans la création en fait de ce jeu, tu vois. J'ai pas envie de comprendre, je crois. Ok. Ok. Donc je pense qu'il va nous rester, voilà, faire la couronne boréale, et ensuite les étoiles. On va faire la couronne boréale avant, parce que c'est un peu je dirais pas mission secondaire, mais c'est un peu particulier, alors que faire les étoiles, c'est juste rouler, quoi. Qu'est-ce que c'est? J'ai encore besoin de quelque chose. Est-ce notre cadeau royal? Non, quelque chose de plus... Ah ah! Oh oui! Ce n'est pas très beau, le ciel n'est pas tout beau. Pas du tout beau d'ailleurs. Le ciel est plein d'étoiles, mais il a quand même l'air minable. Il a l'air ni la beauté, ni l'extrême magnificence de notre couronne. Ok, choper les couronnes. Arigato, sukomidi kobongo. Oh, c'est aveuglant. Incroyable, incroyable, la terre a l'air plus somptueuse aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, des couronnes partout? Nous sommes très choqués, nous sentons très chanceux. Roule dessus, ok, faut choper des couronnes. Ok. 9 minutes, eh ben putain. Oh, des petits burgers. Ah, c'est une petite couronne aussi, des burgers.
Blip. Voilà. Mec, la chanson, quoi. Elle est géniale. J'espère que Warren est toujours là, parce que ça, il va kiffer. Ce genre de chanson-là, il va kiffer. Impeccable. Alors, il y a quoi comme couronne? Là-bas. Une petite couronne, un petit chien. Ah, je peux déjà choper le petit chien, en plus. Les petits nounours. Ça, impeccable. Donc, en fait, ce bruit-là, le petit tchou, c'est quand un truc se barre. Et je viens juste de comprendre. J'ai quand même fait l'autre jeu avant, hein. Mais je viens juste de comprendre que ce bruit-là, c'est quand quelque chose se casse. Ça va être assez stylé, les speedruns de ce jeu. Ah, putain, ouais, carrément. Pour le coup, carrément, ouais. Ah, les mecs doivent savoir exactement quelle zone, en fait, privilégier en particulier, quels objets, etc. Ils doivent connaître pile leur diamètre pour pouvoir choper autre chose. Ça va être assez impressionnant, ouais. Après, ça m'étonnerait pas qu'il y ait que des japonais qui le speedrun, mais... Quoique, j'ai l'impression que le speedrun, c'est pas forcément un truc des japonais, si. Enfin, on en voit pas souvent. Bah, après, forcément, nous, on a des speedruns occidentaux, forcément. Mais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on en voit pas beaucoup des speedruns japonais, si. Ils doivent peut-être considérer que c'est bâclé quelque chose, et les japonais détestent bâcler quelque chose. Même, tu vois, les japonais, ils sont tellement, comment on dit, productifs et tellement attachés à leurs tâches, si tu veux, que même quand ils foutent rien, même quand c'est des no-life, ils le font jusqu'à la mort. Oh putain. Oh la vache. Oh, j'ai failli tuer une femme. J'ai failli tuer une mère de famille, les gars. Ok, donc eux, je peux pas encore. Ok, ce sera après. Izzy sera après. Les poules. Et pas d'entour les poules. On va vous glisser la main et vous nous contre-glisser Marie-Joëlle. Et attention, pas d'entour les poules. Ok, deux couronnes. Yes. Je crois que j'ai trouvé un cadeau en plus. Il me semble que j'ai trouvé un cadeau là. Mais les couronnes rouges, j'ai compte là aussi. Ouais, toutes les couronnes comptent en fait. À chaque fois qu'il y a une couronne, ça comptera. Celle-là là. Blip, voilà, 15. Donc lui, il y en a un sur sa tête là, mais je pense pas pouvoir le choper maintenant, il va falloir être plus gros pour le choper lui. Et Anton Cess choper sa couronne, tu vois. Putain, je peux pas. Ça, la vache, je peux toujours pas non plus, j'imagine. Non, je peux pas. Je peux juste lui mettre une beigne. Impeccable. J'ai l'impression que même les chapeaux, ils comptent en fait. Le jeu, il fait un peu ce qu'il veut. Hein. Ça, je peux pas encore. Ça, le problème, en fait, c'est que je sais pas tout à fait à quel point je peux choper des trucs ou pas. Et ça me ralentit, ouais. Bon, en tout cas, vous pouvez aller vous coucher, hein. Et prendre une bonne nuit de sommeil. Tu laisses mon stream, tu vois. Et t'écoutes le jeu en allant te coucher. Franchement, tu vas bien dormir. Honnêtement, je pense que tu vas bien dormir. Et je vous autorise à le faire. Pour une fois que vous avez mon autorisation, en plus. Attends. Monte. Yes. Bon, ok, tant pis. Tant pis pour toujours. Ça toujours pas. Putain, en fait, le problème, c'est que je prends des trucs, mais je prends des dégâts, du coup, j'en perds très vite. Putain. Monte, con. Monte, con de Katamari. Ok. Pardon. J'ai smack la vache. Ok, une là. Oh là. Oh, pardon, monsieur. Ah, madame. Ok, c'est une vieille. Ça. Ça, je peux pas non plus. Oh là là, c'est compliqué. Je crois que je me suis mal pris. Je pense que j'ai commencé par les mauvais endroits en fait. Je suis venu trop tôt ici, je pense. Oh la vache, la gueule de la couronne. Oh la vache, elles sont énormes celles-là. Ok. Tu vois, je suis un peu trop tôt là. Ouais, j'ai raté des chats, j'ai vu aussi tout à l'heure. Là, ils sont là. Je crois que je les ai chopés. Là, je passe plus. Parce qu'il y a ça aussi comme problème, c'est qu'il y a des endroits du coup tu passes, donc ça fait raccourci, mais il y a des endroits où tu passes plus. Je sais pas si on peut appeler ça genre de la tactique. Je sais pas s'il y a trop de tactique en fait dans Katamari, mais il y a bien une certaine façon de faire les choses, j'ai l'impression, tu vois. Ah, je peux peut-être les choper les mecs, non? Ah oui, je peux choper les mecs déjà. Je peux choper les enfants. Impeccable. File-moi ta couronne. Yes. Tactique, ouais, voilà, tu vois, je suis pas sûr qu'il y en a vraiment une, quoi.
Ça, je peux. Ça, je peux pas, bizarrement. Ok. Bon, faut encore un peu, là. Normalement, encore un peu, je pourrais prendre les piédestals. Piédestaux ? Piédestaux ? Non, piédestals. Je sais pas. C'est quoi le pluriel de piédestal, putain ? Il y a certainement des speedrun strat. Oui, voilà, si tu n'as pas envie de dire tactique, tu dis speedrun strat. Oh là là. C'est quoi une speedrun strat, finalement ? C'est une tactique, non ? T'es pas d'accord ? Moi, je pense que t'es d'accord. Je pense que t'as pas le choix. Allez, monte ! Petite vache. Voilà. Petit chien. Yes. Petite vieille. Gamin. Yes. Ah, je l'ai défoncé. Non, il faut que je chope. Il est en train d'hurler à sa vie. Pas de problème. Petit chat. Oh la vache, il était en harmonie. Gonzesse, les petites grosses, les petites grosses. Allez, petites grosses, montez. Pas le temps de vous expliquer, montez. Ça, je peux tout prendre. Le mec sur ses SH. Oh la vache, j'arrive jamais à dire échasse, mec. Je galère depuis tout petit à dire échasse. Je te promets, hein. Ah, on peut prendre les grosses grosses couronnes, d'accord, ok. Donc en fait, on s'en bat les couilles d'être la bonne taille, on peut juste prendre déjà les grosses couronnes de ouf. Très bien, je prends. Bah là, tu arrives, ouais, mais c'est parce que je me concentre, tu vois. Mais si je dois le dire dans une phrase, mon gars, je vais galérer, hein. Genre, où est-ce que j'ai mis mes échasses, quoi. Bon, okay. Ok, j'ai réussi, mais... je veux dire, en temps normal, j'arrive pas. Chapelet, chapelet, chapelet. Cassez pas. Yes. Les bancs, je peux pas. Ça, il y avait une petite couronne dessus. Et franchement, je vais gérer là, normalement. J'espère que le roi du cosmos, il va être fier de moi, hein, parce que sinon, je vis que pour sa fierté. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Mec, il y a tellement plein de couleurs. En plus, c'est un peu du low poly, tu vois, pixelisé et tout. Je trouve ça vraiment joli à regarder. Je prendrais, tu vois, les graphismes de ça à ceux de Red Dead Redemption 2, mais quand tu veux, quoi. Je trouve le jeu bien plus joli que Red Dead Redemption 2, quoi. Ok, il y a des effets qui sont flashy un peu, machin, les trucs volumétriques et tout, mais je préfère de loin ces graphismes-là, quoi. Red Dead Gatamari. Just one more ball, Arthur! Just need one more roll! Et du coup, si je remonte... Ah bah voilà, regarde, en plus je peux remonter. Et genre niquer tout le paysage de tout à l'heure où j'étais trop petit. Yes! Oh la vache! Je pense que du coup, c'est peut-être ça la tactique, c'est revenir à des endroits d'avant. Après, c'est pas le même but recherché, absolument si. C'est le but de détendre et de vendre. Après, c'est vrai que tu vends plus de jeux quand ils sont jolis parce que... Kéké PS4, il va faire, ouais, putain, comment je clique trop beau, vas-y, on voit trop bien les graphistes. On voit trop bien les graphistes. Putain. Allez. Allez. C'est comme quand tout le monde au collège avant disait des graphiques. Putain, je vois que dalle, par contre. Ça m'énervait, ça. Ouais, les graphiques, ils sont trop bien. C'est pas un graphique, c'est pas PowerPoint. J'en ai plus du Battle Royale. Et en plus du Battle Royale, c'est trop bien. Je vais pouvoir jouer avec les glitchés. Après, écoute, s'ils s'amusent, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir de s'amuser, hein? Moi, je pense que non. Moi, je pense que tu vois, ces gens-là, ils ont un booster MBK, une selle en damier, un pot ninja. Tu vois, ces gens-là, ils ont le droit de s'amuser, tu vois. Est-ce que je reviens au même endroit où j'étais tout de suite? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, je suis un gland. Ok. Zut, quelqu'un arrive. Oh! Nous ne pouvons pas ouvrir nos yeux, c'est trop éblouissant. Reprenons le magnifique arc-en-ciel. De quoi? C'est quoi ces textes à la Bloodborne? Les yeux à l'intérieur. Éblouissant. 68 couronnes, stupéfiant, nous sommes éblouis. Et bah voilà, là, il est content. Bien. C'est une bonne chose qu'ils aient autant de couronnes. La Terre n'est pas un coin complètement paumé. Mais il y avait plus de couronnes, nous les avons vues, en effet, de nos propres yeux. Tenez, voici notre cadeau royal. Oh, une petite couronne! J'espère que c'est une couronne. Attends, je vais boire un petit peu de coca, excusez-moi, parce que j'ai très soif. J'ai la gorge toute sèche. Kozumo Kanjiroa. Oh la vache. Regarde, c'est de la merde, il dessine une putain de couronne alors que c'est juste un genre de croissant. En même temps, c'est vrai que si tu regardais les étoiles et que t'appelais tout parce que... par l'air que ça a, t'appellerais tout un gros croissant, en fait. Attends, pour funérailles.
je mets un canard. Voilà. Mais je sais, je suis très attentionné comme mec. Et franchement... Alors, faire une étoile 7, let's go. Dzień dobry. Ok, le polac. Avez-vous déjà été en Pologne? Nous y allons souvent. Nous espérons que vous pouvez y aller pendant la journée, comme si c'était possible. Oh oui, nous avons presque oublié. Oh ouais, accueil royal pour le prince assidu. C'est ce que nous pensions quand nous promenions le chien. Nous n'avons pas pu nous empêcher de le jeter vers la terre. De quoi? C'était sûrement trop loin pour que le chien allait le chercher. Ça doit être bien quelque part, alors roulez dessus si vous l'apercevez. Ok, donc t'as balancé le chien sur la terre, classique. Mais après je comprends, ça arrive. Non, t'inquiète pas, pseudo, ça arrive. Aujourd'hui, vous allez rouler dans le monde entier. Ce catamaran devrait être, voyons, proche de 6 mètres. Nous pouvons croire en vous pendant 12 minutes en temps terrestre. Mais si ça dure plus longtemps, même le roi de tout le cosmos s'attendra pas. Nous avons hâte de voir un joli catamaran, prince des crétins. Ok. C'est moi qui m'appelais prince des crétins, non? Déjà, full banane. Na. Ouais, ok, d'accord. Banana, ouais, je vois. Bananeux, peut-être, ou banana? Ne. Ouais, c'est bon. On va prendre toutes les bananes. Oh, un ours! Ah, il est en train de me défoncer la gueule! Il y a un cul à droite. Lol, truche. Calme-toi. Mais Upsolo, pourquoi tu dis yop? J'ai l'impression que tu dis bonjour. Du coup, à chaque fois, j'ai envie de te dire bah, bonjour, Upsolo, mais t'es toujours là depuis tout à l'heure. Arrête de dire bonjour! Casse tes couilles! Bah, encore! Na. Ah! T'as entendu? Ok, on va refaire le tour et on va choper les, ça là. Les petites théières. Bip, 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 bip. On fait du bon progrès là, on fait du bon progrès. On va prendre le petit ça là, comment ça s'appelle déjà? Un Daluma. On va prendre les petites ananas que je vous rappelle n'ont rien à foutre sur une pizza. Non mais en vrai, je suis sûr que un jour il faut quand même que je teste. S'il y a des gens qui peuvent défendre la banane avec autant de rage, c'est forcément qu'il y a quelque chose quoi. Tu vois, c'est un peu comme les gens qui disent mais non, s'étrangler quand tu te branles, c'est bien, tu vois. D'accord, c'est chelou. Mais peut-être qu'il faut tenter, je sais pas. Encore un Daruma, ok. Je vais retourner là-bas, il y a plus de petits trucs. Prouvez-le-moi. Tu veux que je te prouve que se branler en s'étranglant, c'est cool le truc? C'est quand tu veux, hein, mais bon. Je suis d'accord pour partager des expériences passées, mais là c'est peut-être un peu extrême. Ah, casse-toi avec ta moustache. Non mais non. Si c'est bien ce que je me disais. Non mais je me dis, si David Carradine, l'acteur qui jouait Bill, il a réussi à se buter, à aller jusqu'à se buter en s'étranglant et en se branlant. Est-ce que tu penses pas que c'est une assurance que c'est cool? Je sais pas hein, je me demande. Je me pose des questions peut-être un peu trop assidues. Merde, ça marche pas. Où est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux monter là? Est-ce que je peux aller en ville? Oh putain, c'est un remix du thème de fin de niveau, ça! Non, pas du tout. Ah... Ok. Bon, c'est encore un peu la galère. On n'est pas encore tout à fait safe, là. Hein. 12 minutes, ça va passer vite, les gars. Hein. Je crois pas trop où je peux aller, en fait. Est-ce que je peux monter... Ah, je peux aller là-bas? Je peux peut-être monter là-dessus, là. C'est pas trop fort, le son, là. J'ai l'impression que ça gueule un peu, non? Je te dis, hein, j'ai l'impression que le jeu, il fait un peu ce qu'il veut au niveau volume. Hein. D'ailleurs, au niveau scénario aussi, on admet. Hein. Ok. Non, ça va? Ok, d'accord. Impec. Ah là, regarde, il y a plein de trucs ici, là. C'est bon. C'est bon! C'est bon! Je prends ça, les petites lanternes. Yes! Oh mec, on grandit de ouf là avec les lanternes. En fait, je sais pas trop ce qui compte. Quand tu chopes quelque chose, si c'est genre le... Si c'est juste la taille, genre exclusivement juste la taille qui compte. Comme IRL en fait. Ou alors il y a genre aussi un système de poids ou de je sais pas. De... Genre plus un truc est censé être solide, plus c'est galère. Je sais pas, tu vois. Yo, what the fuck, c'est quoi ce jeu? Mec, pose pas de questions et regarde juste. Pose pas de questions et regarde. D'accord? Accepte-le, accepte son existence déjà. Dis-toi que ça existe. Et ensuite, regarde. Ah, je peux choper les gamins déjà. Donc ça veut dire que je peux aussi choper les pingouins.
par logique, par logique indiscutable. Si tu peux choper les gamins, tu peux choper les pingouins d'ailleurs. Ok, même les gamines, parfait. L'autre avec son truc là, ça peut, ça marche pas. Je peux choper les gamins. Je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai dit. Je parlais pas de Katamari. Ok, ça c'est cool, ça c'est bien. Les vélos, impec. Les bonbonnes de gaz. Ça peut pas être dangereux. Attends, par contre, ça, par contre c'est chiant. Par contre c'est chiant. Par contre ça casse les couilles. Ouais, c'est bon. Ok. J'adore le voir. Voir le prince en bas à droite qui est en train de galérer avec sa petite bouée en forme de canard. Est-ce que je peux remonter quelque part où il y a une autre zone? Ah, remarque, non, je peux rester là encore un peu. Bon, j'ai toujours pas trouvé la musique, j'ai pété un meuble. Ouais, c'est pas comme ça qu'on cherche des musiques, normalement. On va sur Google et on écoute. Et le meuble, du coup, il t'a dit où? Il a donné ses secrets? Je peux prendre lui avec son truc là? Non, je peux pas. Et si je monte là, il y a quoi? Ouh! Je sais pas ce que c'était, mais je l'ai défoncé. Hein. Monte, 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 monte! Voilà. Prends ça. Bon, putain, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On laisse ça passer. Ça. Ça, je peux pas les choper bizarrement. Je pensais que je pouvais, mais... Les flics, je peux? Je peux choper les êtres humains de taille normale. Ok. Mip! Tout... Il est trop marrant, le bruit des klaxons. Ok. T'as vu qu'il y avait un mec qui cambriole, là? Ah. 3 mètres, c'est encore un bébé. Ok, bah je t'emmerde. Ah, ok, il a ouvert l'école. Nice. Donc on va monter là-bas, et on va essayer de passer par l'école. Parce que du coup, vu qu'on peut choper les êtres humains, là, ça veut dire qu'on peut déjà choper tout le monde là-dedans. Ouais, je sais, ça fait peur, mais c'est pas grave. Oh putain, regarde là-bas, là. Oh yes. Ah, vous êtes tous à moi! Je vous absorberai! Votre âme est mienne! Je suis Femto, je suis la main du diable! In this world. Je vais choper lui là, le gymnaste? Yes! Impeccable! Ça là-bas. Un petit scotter. On peut passer par ici là, y'a rien? Ouais, y'a rien. Ok. Bah écoute, on va se barrer de là. Et on va prendre à droite normalement. Et il va y avoir un passage pour la partie d'après. Je peux le monter ça? Putain, je perds tellement de gens à chaque fois. Ok. Ta boule grandit plus. Si, si, t'inquiète. Non! Putain de sa mère! Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais quoi? C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que rien n'est grave dans Katamari. Voilà. J'ai l'impression de forcer IRL. Non, non, pas encore. Pas encore, ok. Choque tout le monde. Touche des culs. Hop. Yes, yeah, c'est bon ça. Ça, on est en train de choper la koum-koum, mon gars. Y'a aucun problème. Ah, aucun problème, j'ai pris une bagnole en pleine gueule. Oh, c'est bon ça. Blip. Je les ai pas tous chopés. Je crois que je les ai juste défoncés. C'est pas grave, ils seront encore là après. Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a un autre... non, arrêtez! Là, l'espèce de pyramide chelou, là. Yes, yes, il y a des trucs au-dessus. Oh la vache, le monster truck, trop stylé! Et attends, est-ce qu'il y a un passage là? Oh là là, oh, oh, oh. Non, 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 négatif! Oh non, j'avais trouvé un passage de ouf! Mec, il y avait un passage secret! Ah, c'est bon, je peux retourner direct, ok. Allez, monte! Monte, Katamari, déconne pas. Monte, je t'en supplie sur la vie de ma grosse race. Eh putain, bouffe ta merde, attends. Le sumo, je peux? Le sumo, je peux, ok. Nounours, voiture? Voiture déjà ou de... voiture pas? Non, voiture pas. Non, pourquoi je pars dans le vide comme ça? Ça, les Matryoshka. Ça, je peux toujours pas non plus, ça compte comme une bagnole. Oh non, déconne pas, allez, monte. Non, je t'en supplie sur ma vie. Me fais pas passer. Oh le relou quoi. Oh le relou, et il y a un tracteur qui fait je sais pas quoi. Je sais pas, ils font du breakdance. Voilà, ici et là. Voilà, là je peux.
Attends, je vais retourner là où il y avait une espèce de passage secret de ouf là. Non ! Ok. C'est ça ce que vous venez d'entendre, c'est de la vraie panique. C'est de la panique. Non, 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 non. Yes ! Oh, c'est trop bien ici. C'était de la vraie panique, c'était de la franche panique, de la frangipanique. La frangipanique, la prochaine fois que je fête la galette d'un roi, que j'ai pas fêté cette année, je ferai ça. La galette à la frangipanique, et dedans ce sera que du sang. Du sang que j'aurais trouvé par terre. J'aurais cambriolé une banque de sang malade, et j'aurais pris que du sang sidaïque. Ok, ça c'est bon. Comme de me faire tirer dessus par un flic, normal. Putain, je fais que 6 mètres et il reste 3 minutes, mec. Je pense que je me suis mal géré, là. Je pense que j'ai mal géré. Je suis pas en train de prendre des trucs à la vitesse où j'aimerais prendre. Peut-être en bas, il y a une chance de... Il y a peut-être une chance de se rattraper, là. C'est un peu exponentiel, en fait. Plus tu ramasses des trucs, plus tu ramasses des trucs, tu vois ce que je veux dire. Mais là, j'avoue, c'est un peu tendax. La bagnole, peut-être, là. Yes, ok. À partir du moment où tu peux choper des bagnoles, c'est possible de gérer un peu là. Mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout. Mais ça, je prends le flic et le gamin à poil. La voiture, très bien, ça c'est cool. Ah, mais qu'est-ce que j'ai pris là? Ok, je peux les voitures, mais je peux pas les minivans. Super. Impec. Elle, je peux. Yes. Tout. Tu vois, ça augmente. Ah oh, non, l'enculé, il m'a fait tomber. Oh, le gros bâtard. Oh putain, il bosse pour The Guys. Je suis sûr, il bosse pour Wesker. Saloperie d'Umbrella. Là, ça c'est bon, ça va me faire augmenter vite fait, ça. Yes. Ok, on a déjà bien passé la moitié, là. On fait 7m41, c'est pas mal. Avant, je t'en supplie. Yes, ça on peut prendre. Putain, il reste humide. Ouais, mais non, c'est niqué. C'est complètement niqué là. Je me suis pas assez bien démerdé. C'est ma faute. Mais à coup de pas. J'ai perdu trop de temps à me galérer en fait avec les montées et tout. Donc 12 mètres, à mon avis, c'est niqué. Allez, en 40 secondes. Donc bien sûr qu'on peut perdre à Katamari, hein, mais c'est dommage. Je crois que la petite baraque, je peux là. Non, je peux pas. Ouais, alors c'est niqué. It's naked. It's forcibly naked. En plus, je suis en train d'être bloqué contre une route, là. Ça, c'est con, 8 mètres, quoi. On n'est pas trop loin non plus, quoi. Ouais, non. Dog guys. En avant, King Kong. Ouais, 9 mètres. Au pire, je fais 9 mètres. Ouais, c'est ça, 9 mètres 11, mais je fais pas plus. Tu vois, c'est de pas beaucoup, hein, mine de rien, parce que ça va super vite à la fin, en fait. Là, on vient de faire 2 mètres en quelques secondes, quoi. Ah, mais j'ai pas fait 12 mètres. Ah non, fallait faire 6 mètres, pas 12 mètres. Le con, c'est 12 minutes, mais 6 mètres. Pas 12 mètres et 6 minutes. Non, c'est bon, en fait. J'ai paniqué pour rien, on était large, en fait. Oh, ça va, ouais, ça allait, en fait, ça allait carrément. Certains nous émus aux larmes, mais en vrai, on aurait pu faire 12 mètres. Si j'avais mieux géré mon temps, on aurait pu faire 12 mètres, mais ça va. Nous sommes heureux, si heureux, nous voulons transformer ça en étoile immédiatement. La chose que vous avez le plus collectée est fruits. Ah, ok, j'ai un catamaran de 10 mètres, mais c'est que des fruits. Ça alors, la Terre est vraiment pleine d'objets. Nous allons maintenant lancer ça dans le ciel. Ouais, c'est les montées qu'ont tout niqué, c'est les clôtures à passer. Oula. Au centre spatial, de quoi? Nani? Il y a du lore là, il y a du lore, c'est heavy là. Pfff. Oh les petits oiseaux. Ça vous dérange pas si je prends les screens? Parce que je trouve que ces cinématiques, elles sont sublimissimes. Il y a un aspect dans les cinématiques que je kiffe et j'ai vraiment envie de les prendre. J'ai vraiment envie de les prendre en photo. Alors, on a de nouveau faire une étoile 8 et faire le taureau. Ah, enfin, le meilleur signe astrologique du monde. Putain, c'est quand même pas compliqué. Allez, faire le taureau. Oh, j'ai compris. Pour vous dire la vérité, nous faisons également une constellation. Le taureau, à vrai dire.
Un parent qui laisse tout le travail à son enfant, c'est pas bien. Un bon à rien, hein. Bon, nous avons enfin fini, puis le dernier s'est enfui. Zut, stupide vache. Nous en avons assez. Allez, roulez sur une vache pour nous. Et roulez également sur votre cadeau, ok. Au pire, ça fait des beaux fonds d'écran. Bah carrément, mais carrément. C'est pour ça que je les prends. Oula. Nous sentons une vache. Les choses brillantes ne font que meugler. Dépêchez-vous de rouler. Il ne faut qu'une seule, une vache. Et il nous manque qu'une seule vache. Apprenez la plus grosse vache que vous trouvez. Voilà, donc c'est bien ça. Et ça, genre, si je prends ça, voilà. Donc le moindre truc... Mais c'est pas une vache, c'est un carton de lait. Mais non. Mais non, mais c'est de la merde. Bon bah tant pis. Écoute... attends, on va essayer de le refaire. On va essayer de le refaire quand même. Donc tu vois ça, il faut bien se balader pour trouver la plus grosse vache. Taureau, grand carton de lait minuscule. Ah, super. Génial, c'est trop de la merde. Kanjiru. Kosumo Kanjiru wa. On sait. Le taureau, qu'est-ce qu'il va te dire? Oh la vache. Adorable. Adorable, mon gars. Adorable exploratrice. Alors attends, il est où le taureau? J'ai envie de le refaire celui-là. Parce que c'est important le taureau. C'est ça? Yes, faire le taureau. Kanjiru wa. Kosumo Kanjiru wa. Érection Ganjilewa. Envoyez des choses sur Terre. Ok, alors cette fois-ci, on se concentre. Alors, déjà, on va se barrer de là. Voilà, par ici. Là-bas, il y a des jolies vaches. Oh putain, il y a un putain de bison là-bas. Faut surtout rien à choper. Est-ce que je peux choper un ananas? Tu crois que je peux choper un ananas? Ouais, donc c'est bien ça. On peut choper quand même ce qu'on veut. Mais pas des vaches. Le problème, c'est que tu vois, comme t'as pu le voir, il prend un peu ce qu'il veut pour une vache. Donc, faut faire gaffe. Ah, la chanson est géniale. Oh, merde. C'est bon. La chanson, elle est trop bien. Elle est beaucoup trop bien. Mec, j'arrive pas à enlever le sourire que j'ai sur la tête. Oh merde! Merde, j'ai chopé un cône, vache! Ah, oh, fait chier, je pensais que ça passait! Et en plus, j'étais trop concentré à écouter la musique! Bon, tant pis. Ah, remarque, ouais, je crois que le délire... Quoi? Créer constellation ou pousser l'étoile? Ouais, constellation, pourquoi pas. Je crois qu'en fait, tu prends ce que tu veux, tu peux être ultra ultra gros, et ensuite, à la fin, choper une vache. Et lui, il prendra ça pour une vache, peut-être. Wow! Nani? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a défoncé une constellation tout seul? T'as vu comment il est passé comme un bâtard? C'est Galactus, le mec! Allez, faire une étoile vite. Cette fois-ci, on lit bien l'énoncé et on panique pas pour rien. Zdravstvuyte! Avez-vous déjà été en Russie? Nous y étions hier. Nous espérons que vous pouvez passer pendant la journée. Comme si c'était possible. Oh oui, nous avons presque oublié. Oh oui. Un cadeau royal pour le prince assidu, c'est ce que nous pensions. Mais nous sommes... Nanana, ça, c'est toujours pareil en fait que tu dis. Toujours pareil ce que tu dis, hein. Tu radotes? Vieux con. Tu vois, il pourrait être joué par Ron Perlman, je suis sûr. Oh là. Je suis en train de me faire gang-bang par des trucs. Aujourd'hui, vous allez rouler dans la ville. Le catamaran pourrait être, voyons, 12... Voilà, là, c'est 12 mètres. Nous pouvons croire en vous pendant 18 minutes de temps terrestre. Normalement, 18 minutes pour 12 mètres, c'est tranquille. Je peux prendre les souris? Non, je peux pas encore prendre les souris. Ok. Ah, je suis en train de me faire... Ah, je suis en train de me faire harceler de ouf. Ah, des petites fraises. Vite, prends les petites fraises. La petite confiture. Je peux pas encore prendre la petite confiture. Chope les petites fraises, catamaran. Chope les petites fraises. Yes! On a chopé toutes les petites fraises. Des petits crackers. Des petits cookies, c'est bon. Un biscuit fourré, comme ta sœur. Pardon, je devrais pas faire ce genre de blague pendant que t'as marié. Mec, mais les... Mec, cette chanson-là, on dirait du Cowboy Bebop, quoi. Non?
Et les souris maintenant c'est bon non? Ah merde toujours pas. Kitamari c'est censé être le stream le plus politiquement correct. Ah peut-être pas mais pas d'insultes tu vois. Genre oh bien entendu les Mexicains. Quand même ils exagèrent. Faire des graffitis sur notre beau mur. C'est pas politiquement correct mais y'a pas d'insulte. Donc ça passe. Pas con le mec. Oui, les révoltés du Bounty, couler un si beau bateau, on voit que c'est pas eux qui s'occupent de la coque. Ok. Bon, on va faire que j'accélère un petit peu parce que là je prends les trucs un peu un par un là. Ok. Ouais, là c'est bien. Donc, en fait, le jeu à certains endroits est un peu linéaire, c'est-à-dire qu'il te donne quand même les clés pour réussir, tu vois. C'est le truc le plus corpo du monde. On vous donne les clés pour réussir. Ici à la méga forge, on ordonne les clés pour réussir. Et il te montre un peu les endroits en fait qui te sont accessibles pour l'instant. Et ça se passe un peu par phase, tu vois. Chat de merde, je peux plus le lire. Ouais, ça arrive des fois, ouais. Non, allez. Yeah. Je crois qu'il faut que j'utilise un peu plus le boost aussi. Parce que c'est vrai que j'utilise pas assez. Et pourtant, ça fait gagner énormément de temps. La plupart du temps. Voilà, tout chopé ici. Oh putain la vache, le bordel. Putain, c'est le bordel ici. Si vous foutez, bande de cons. Les petites pelles, les petits râteaux, faut prendre ça. Ça va me faire augmenter de ouf, les petits râteaux. Ah, je peux prendre les petits râteaux encore. Les petites pelles, je peux par contre. Ah, c'est des petites bêches, pardon. Tu sais que j'ai mal au pouce. Mec, j'ai le pouce engourdi à force de le maintenir avec le joystick. Ah! Ok, ça c'est bon, impeccable. Donc là, on commence à grandir. Là déjà, les souris, on peut les éclater, hein, y a pas de problème. Mais on prend ça? Ouais, on peut. On y rouge. On va pas monter les marches pour l'instant. On va quand même continuer à choper les trucs qu'on pouvait pas choper tout à l'heure. Alors on fait un deuxième petit passage. Aïe aïe aïe, oh là là, je suis en train de faire gang bang. Ba ba la la. Ya 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 ya. Oh la vache, le bruit des rats. Putain attends, ils font des chuchotements binauraux là, j'aime pas ça. J'ai l'impression d'être dans l'autre jeu avec la tarée là. Mon cul là. Les cochons sont plus vicieux que les rats. En général ouais. Ils sont connus pour, hein, c'est des vicelards les cochons. Hein. Ça pèse dans la boue. Hein. Ils ont des orgasmes de 45 minutes. Hein. T'imagines? Juté pendant 45 minutes, tu dois être desséché après quoi. Vite! Du lait! Et des carbohydrates! Je vous en supplie! Ok. Le jeu avec la Viking Schizo, ouais, c'est ça. C'est noix. Je sais plus quoi là. Où il y a des chuchotements de bâtards qui font peur. Ah! 45 cm, nous sommes sûrs que vous pouvez aller plus loin. Et normalement, ça va nous ouvrir un endroit sur la route. Ouh, les barrières, c'est bon ça. Tatilo, tatila, baboup. Papapa. Papapa. Papala, papala, papa. Oh, des pigons! Des putains de pigons! Ok, c'est bon. Je suis désolé, je parle pas trop, mais en fait, c'est un peu stream de repos. Donc, en général, Katamari, je pense que je vais pas beaucoup parler. C'est vrai qu'à part raconter ma vie, on peut pas vraiment dire grand chose sur Katamari, quoi. Tu roules et tu chopes des trucs, c'est pas vraiment fait pour le jeu. En fait, c'est pas vraiment fait pour les streams LMF, Katamari, mais. Écoute, si on faisait que les streams LMF, ce serait que les. Je suis en train de me faire défoncer, voilà. Ce serait que Leisure Suit Larry, ce serait que Replay. Doom. Et bon. Allez. À l'aide. Ok, c'est bon. Oui. Oh là. Et Hatred. Grave. Je me souviens plus. Est-ce que Hatred il est interdit sur Steam, sur Twitch? Ça vous dirait que je vous le stream un jour Hatred? Parce qu'en fait on en a beaucoup parlé mais peu de gens l'ont vu en fait, littéralement. Du début jusqu'à la fin. Et il est pas très long en plus. Je crois que non, je vais vérifier, ça c'est fort, fort urbain de ta part. Haha, t'es bien urbain. Tu préfères l'habitat rural ou l'habitat urbain? Alors,
Ça, je peux toujours pas. Je suis en train de perdre du volume à vue d'œil. Ah, ok, les petits chats, on peut les prendre. Impeccable. Un peu de Judge un jour, un shooter. Un shooter inspiré de. Ça, je connais pas, tiens. Pseudo, est-ce que tu peux aller sur le Discord et mettre le jeu dans le channel des doléances, s'il te plaît? Comme ça, ça va me rappeler que ce jeu existe. Judge, tu dis, enfin, avec un Y? Ah! J'ai jamais entendu parler. Il est récent ou quoi? C'est marrant, hein, il me dit rien. Non, il est pas interdit, Hatred. Ok, parfait. Ça va pouvoir tuer de la femme et des enfants tranquilles. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Laisse-moi tranquille, ma feuille de bambou. Non. À l'aide. Je suis en train de me faire violer par du bambou. C'est bon. Mais casse-toi, mais connasse. Tu vois pas que tu déranges? Eh, je vais péter un plomb. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. C'est pas un jeu sur lequel on est censé péter un câble normalement, mais je vais péter un câble. Ok, c'est bon. Impeccable. Ça, je peux. Yes. J'ai pas trop d'avance, j'avoue. Bon, il reste quand même 12 minutes, hein, mais... J'ai l'impression que je vais pas aussi vite que je devrais, tu vois. Après, on n'est pas censé stresser, normalement, sur Katamari. T'es pas censé dire... Oh, merde. Oh, je vais jamais avoir le high score. Oh, non. J'ai jamais trop de prérequis, quoi. Et heureusement, sinon ça niquerait tout le principe, quoi. T'imagines si ça avait un leaderboard? Attends, on est où, quoi? Ok, ça c'est impec. Il y a aussi What's Under Your Blanket. Ah, c'est pas le jeu où faut se branler, là? Il me semble que... comment? Allen me l'avait acheté. C'est un jeu où faut se branler sous sa couette. Et il faut arrêter pile quand tes parents te regardent. C'est du gros gameplay, c'est du Kojima, hein. Écoute, mec, c'est un génie, on n'y peut rien. Pourquoi ça m'étonne pas? Ouais, bah écoute. Et on change pas une équipe qui belge, hein. Ok. Attendez, ça fait seulement 1m5, c'est trop petit, faites-le beaucoup plus gros. Eh ben, ouais, 2 minutes, ouais. Ok, donc ça s'est ouvert, impeccable. On pourra passer directement, en plus, on est juste à côté. Donne-moi des pizzas, toi. Loupé. Bye, papa, papa. Je peux pas le prendre non plus, ça. Voilà, je suis en train de perdre du temps. Ok, excusez-moi, madame, de vous effrayer de la sorte. Je peux le prendre, lui, ou quoi? Non, peut-être pas encore. Je crois que c'est que les gamins, encore. Ça, le feu de camp, je peux. Ah, c'est des bébés tortues. Je crois que c'était des genres de gros marshmallows, moi. Comment faire grossir vos boules en 3 étapes? Ah, je peux prendre les Zoku. Mais pourquoi les Zoku ils font des bem comme ça là? Ça fait pas ça les Zoku, enfin en tout cas dans GTO ils font pas ça, hein. Dans GTO ils se mettent des coups de couteau, mais... Impeccable, donc là du coup je peux prendre tous les êtres humains. Normalement je peux prendre tous les êtres humains. Ah, il y a des petits mannequins pisse, c'est marrant. Il y a bien que les Belges pour faire une statue d'un gamin qui pisse et le fout au milieu de tout, hein. Quand même, avouez quand même. Que c'est complètement con comme idée. C'est comme si je faisais le mannequin chi. Et c'est un mec qui chie. Voilà. Voilà, je suis un artiste. Alors on va foutre ça sur la place principale à Nantes. Ça va être beau, mon gars. Enfin, après, ça changera pas vraiment de la déco d'habitude. Il y a que de la merde et de la pisse à Nantes, alors. Forcément. Mais tu vois ce que je veux dire. Ok, par là, c'est impec, ça. Oh là là, je voudrais me faire traverser par la vie entière. Ah, j'ai chopé un cadeau, nice. Du coup, il faut s'assurer de réussir ce roulage-là. Comme ça, on va pouvoir débloquer un cadeau. Alors, mais là, à Paris, ça se fondra dans le décor. Franchement, non, c'est pas beaucoup mieux, quoi. Mais à Nantes, ça va, parce que c'est un petit peu... c'est à certains endroits, quoi. J'ai l'impression qu'à Paris, vraiment, le sentiment de caca et de pisse, c'est vraiment général, quoi. Oh là là, je sais pas ce que je suis en train de foutre, mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a des flics qui tirent? Oh là là, je suis bloqué. Je suis bloqué par mon poisson. Non, c'est bon. Allez, 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 allez.
Putain, j'ai failli me coincer la boule, les mecs. Ça aurait été la merde. Vous auriez dû venir me la décoincer après. J'aurais foutu la webcam. Stream de décoinçage de boule en live. Tu sais que j'ai une webcam juste à côté là. Qui marche à peu près. C'est rageant ça, hein. Hein, c'est rageant ça, hein. Papadam, papadam, papam. Padam, pam, pam, pam. Padam, pam, pam, pam. Avec des petits bâtons. Comme les mecs qui se foutent des thermomètres dans l'urètre. Enfin, j'ai entendu, on m'a dit une fois sur internet. Ok, ça c'est cool. Il y a un petit ours là-bas. On prend. Là, on grandit bien là. On a un bon rythme là. Il reste 9 minutes et on grandit bien là. 5 mètres, enfin. C'est pas aussi grand que ce qu'on pensait. Allez, yes. Impeccable. Il y a le bruit des enfers qui passe quand tu ramasses des vieilles. C'est impeccable. Ok, un chantier. Oh non! Ah, la connexion qui foire une nouvelle fois. Ouais, bah écoutez. Là maintenant, c'est vrai que je suis que sur YouTube. Donc ça va faire super bizarre en fait. Là, je suis plus connecté du tout. Mais je vous fais de gros bisous. Je pense que je vais finir la mission et arrêter là. Même si, bon, c'est pas franchement utile. Personne verra ça, de toute façon je peux dire n'importe quoi. Couille, la pute, poil au zizi. S'il y a un mec qui arrive jusqu'à la fin de ce stream, il aura qu'à commenter Grippin666XXXXXX, d'accord. Et comme ça je saurai que ce mec a regardé tout le stream de Beautiful de Katamari Damashi Lilolu. Ok, on fait comme ça. Allez, 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 allez. Oh là là, c'est la galère. Je suis en train de me bloquer la grosse boule. Je suis en train de me bloquer la boule. Ah, c'est quoi, j'étais en train de bien réussir en plus. Eh, écoute, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça change que je suis juste pas connecté. Pour vous, sur YouTube, ça change rien. C'est pas grave. C'est juste un vieux let's play, en fait. Je suis juste en train de faire un let's play... un let's play offline à l'ancienne, quoi. Regarde la vitesse, regarde la vitesse. Et boum, 12 mètres. Et voilà. Et là, je vais prendre les baraques. Et là, c'est bon, j'ai fini, quoi. Et il reste 6 minutes. Tu vois, c'est large, en fait. Hein. C'est large de ouf. Impeccable. Impeccable. Oh, quel beau Katamari. Dodu avec un air mélancolique, comme Jacques Villeray. Nous aimerions avoir un Katamari bien plus grand et plein à craquer. Nous allons vous laisser travailler. Et voilà, et là c'est bon, c'est fini. Alors je crois qu'il y a un flic qui s'arrête pas de tirer. C'est pas super agréable. Oh la vache, regarde-moi ça. Ah, c'est bon, il a arrêté. Ah, il a recommencé. Tu vois, à partir du moment en fait, t'arrives tout le temps à un moment où tout va grave plus vite. Papadam, papadam, papam. N'empêche, on a commencé, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a commencé, on était en train de se faire gangbang par des rats. Et là maintenant, on est un putain de bloc de maison, quoi. Enfin, de boule faite de maison et d'appartements. Oh là 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 là, oh la vache. J'adore. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans Katamari, c'est qu'il y a vraiment une augmentation à vue d'œil. C'est super agréable, quoi. Genre tu oublies en fait, des fois tu oublies à quel moment t'as commencé. Bah attendez, vous savez quoi? Attendez, je vais quand même relancer le stream pour les autres parce qu'attends. Là c'est bon, ma connexion elle est revenue. Est-ce que OBS a craché? Non? Si? OBS a craché? Je crois qu'OBS a craché. Non? Attends. Voilà, non, c'est bon, ça n'a pas craché. OBS n'a pas craché. L'enregistrement va marcher. Est-ce que je peux relancer? Apparemment, non. Si? Suis-je online? Attends. Attends, mec, c'est tellement méta comme stream. Je crois que c'est le stream le plus méta que j'ai fait de ma vie, quoi. Non, il veut toujours pas? Oh là là, mec. C'est tellement bien numéricable. Ça part dans tous les sens, mec. Non, j'ai pas de connexion. Bah écoute, on va finir ça. Et puis écoute,
On va se démerder pour. Et s'il y a des gens qui étaient sur le chat et qui maintenant sont en train de regarder la rediff YouTube, et bah coucou, hein. Je suis désolé que vous ayez pas pu assister à la fin de cette mission mémorable. Mais là, ma connexion ne va absolument pas. J'ai eu des emmerdes toute la journée, donc vraiment falloir que je change de fournisseur. Pour l'instant, je suis pas trop, mais oh, un gros nounours. Mais ça va se faire vite et je pourrai streamer en meilleure qualité en plus. Donc Far Cry, ça vomira plus à chaque fois que je serai en train de courir dans les champs. Enfin, ça va être bien. Vous inquiétez pas, ça va être bien, ça va être très bien même. Bon, bien sûr, faut imaginer. Du coup, ça c'est toute la map. J'ai l'impression que c'est toute la map. Non, il y a encore des petits coins là-bas. Enfin, pas grand chose, hein. J'ai l'impression que je suis à la fin. J'ai l'impression que j'ai quasiment tout chopé en fait là. Non ? Ah non, il reste des trucs. Il reste le chantier, ouais. Bon, ça va sinon sur YouTube ? Ça se passe bien votre vie ? Ça fait quoi de pas pouvoir assister au stream tout le temps dès qu'il passe ? Est-ce que vous vivez bien cette condition de stream, de post-streamer en fait, de post-viewer même, j'ai envie d'appeler ça. Attends, est-ce que du coup je peux recommencer le streaming là? Parce que j'ai l'impression que ma connexion revient. Oh 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 oh. Et oui, la connexion qui revient bien trop tard. Je sais même pas s'il y a encore des gens qui sont là. Si, ouais, on a plus le transco, mais de toute façon c'est pas grave, on a bientôt fini là. Attends, je refresh le chat. Ah, eh, oh, 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 oh. Alors, il y a eu un petit problème, j'ai continué du coup à streamer pour le chat, pour YouTube, j'ai continué à streamer parce que je pouvais pas laisser juste la rediff partir en couille. Et il y a eu une petite amélioration au niveau de mon katamari du coup, voilà. Donc on en est là. Mais voilà, ma connexion a vraiment pété un plomb pour le coup. C'était pas juste une micro coupure, c'était une énorme coupure de bâtard, donc il va vraiment falloir que je change de fournisseur internet, parce que là elle a été vraiment énorme. Il y a eu vraiment ma box, elle a pété un plomb, enfin. Donc il va falloir que je change. Donc si vous savez quel fournisseur est le meilleur sur Nantes, je prends toutes suggestions, même les plus sales. T'es chez Free? Non, mon portable est chez Free. Moi je suis chez Numéricable. Numéricable qui n'existe plus d'ailleurs. Donc ça doit jouer. Enfin, c'est faire maintenant quoi. Mais je pense passer chez Orange, ils sont un peu chers, mais c'est vraiment vraiment de la bonne cam. Ok, donc on fait 24 mètres, littéralement le double de ce qu'on m'a demandé, tu vois. C'est assez intense. Je peux prendre la montgolfière? Ah non, j'ai juste défoncé, c'est pas grave. Il y a plus grand chose à... Oh, le Loch Ness. Ah, il s'appelle Nussi. Ah, c'est trop mignon, Nussi. Orange, tu rack pas mal. Bah ouais, mais j'ai l'impression que c'est quand même la qualité, enfin... T'as vu qu'il y a des anges katamari qui tournent autour de moi? Ça veut dire quoi? J'ai jamais eu ça, c'est marrant. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si je suis en train de rouler sur quelqu'un qui souffre. Je peux la montgolfière. C'est quoi qu'il a dans le slip en bas à droite, ton katamari? C'est pas un slip! C'est une petite bouée canard! Le pauvre! Un slip! Genre il a la teubie qui dépasse, tu sais. Comme l'histoire du mec qui disait que quand le matin, tu vois, il bandait pour pas que ça le dérange quand il était en pyjama, il calait sa teubie dans l'élastique de son pyjama, tu vois. Et du coup, par-dessous le t-shirt, ça se voyait pas et il avait la teubie qui dépassait pas, tu vois. Et que le problème, c'est qu'une fois, il avait dormi torse nu et que du coup, il avait pas vu qu'il avait un bout de sa teubie qui passait par l'élastique et qu'il allait dire bonjour à toute sa famille. Avec un petit bout qui dépasse. Non mais imagine mec. Mec, je le fais ça, tout le monde fait ça. Ah non, je m'en bats les couilles moi. Moi je suis free moi. Free balling. Merde putain, il y a le curseur depuis tout à l'heure en plus. Je crois qu'en fait je suis au 100% de la map. Et du coup le truc part en blanc, il y a des anges et tout qui débarquent. 25 mètres 80 cm. Sa taille nous émet aux larmes, c'est vraiment incroyable. Nous sommes heureux, si heureux, nous voulons transformer ça en étoile immédiatement. Ah putain, ça c'est ma plus belle étoile ça. Oh, une petite guitare. Devinez ce que c'est. Ouais, une guitare, j'ai vu. La chose que vous avez le plus connectée est végétaux, ok. D'accord. Stephen Hawking quoi. Ça alors, la Terre est vraiment pleine d'objets. Nous allons maintenant lancer ça dans le ciel. Yes, maître de la ville. Note.
Resurrection by Erection. Vas-y, il y a des screens à prendre là. Attends, attends, il va y avoir des screens à prendre. Ça déjà, je prends. C'est extrêmement bizarre. Il y a une petite capsule Soyuz qui atterrit à droite là. Oh là là, l'échelle de Jacob. Oh la vache, c'était Silent Hill, mon gars. Ok, par contre, on déconne plus. On prend. Oh, la petite guitare est derrière en plus, c'est génial. Bon, allez, les gars, je vais save. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on save, c'est marrant. Ah non, du coup, c'est pas ça, je confonds. C'est quand on charge, oui, qu'il faut bouger la bulle. Non, en fait, c'est de la merde. Du coup, les gars, je vous laisse. Il est quand même 2h30 mat. J'espère que ça vous a plu, ce petit stream de Katamari. Après Far Cry et après Resident Evil 5. Contrôle de météore. Quoi? Nani? On se quitte sur cette histoire de bite, c'est la méga forge. Hein. Ok, et bah écoutez les gars, je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. Et surtout d'avoir encaissé un petit peu ce coupage de connexion absolument, absolument horrible. Moi, la perte de connexion, ça me vénère, mais à un point... yop, connard. Salut pseudo, ah, t'arrives à la fin, c'est dommage. Je vous fais d'énormes bisous. Je vais vous laisser d'ailleurs avec une petite chanson de Katamari, pourquoi pas. Regarde, tac, elle est où Lonely Rolling Star, la meilleure. Non, Wanda Wanda, elle est bien aussi. Allez, je vous laisse avec Wanda Wanda, Wakanda Forever, et puis à plus tard. Demain, c'est Polyon qui prend, mais je crois que je pense prendre dimanche. Donc, on se revoit dimanche. J'ai l'impression d'être William Lemergy, quoi. Allez, on se revoit dimanche. Allez, à plus, bonne soirée, ciao. Around the city,